mieux. Justement, j'ai envie de reprendre aussi, mais j'attends Diablo 4. Ouais, je l'ai préco aussi, des 4. Allez. Du coup, là, on va faire un petit run, parce que j'ai toujours pas fini Elden Ring. Tiens, d'ailleurs, tu me confirmes que le son est bon, ni trop fort, ni trop... ni pas assez. Nouveau. Je vais mettre un petit peu de son, j'ai mis mon compteur de mort, parfait. Alors, on va partir sur, on a dit, astrologue. On va faire un build de magie, comme je l'avais déjà fait il y a un an, enfin j'avais joué 80 heures à peu près avec un build comment un build cac. Du coup là je vais faire à distance. J'avais un petit peu roulé sur le jeu, je t'avoue. Hein. Une build de cac était full force, grosse armure, donc ça passait plutôt pas mal. Ça c'est bon, type de corps. Astrologue, leg. Un poil faible, je dirais. Ah, ma voix ou le son du jeu? Le son du jeu? Monter. Voilà. Ça va être mieux là. Je vais augmenter un peu le son. Du coup. Aucun. Ouais, si je reclique pas d'ici. Bon, on va prendre une graine dorée, hein, ça me paraît ce qu'il y a de mieux, on va pas s'embêter. Bim. Terminé. Bah, je l'augmente du coup. Je l'augmente avec le stream. Avec OBS. D'ailleurs là je stream avec Streamlab OBS, mais je pense que je vais passer sous OBS. Mais déjà la flemme, faudrait que je refasse tous mes paramétrages, mais c'est quand même mieux. OBS classique. J'ai préco le tome 2 aussi. La brume dans l'entre-terre. Mais je l'ai pas lu. Je le lirai une fois que j'aurai au moins fini une première fois un run complet. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment. Je venais de le buter, le gros, avec mon autre perso quand j'arrêtais. Je me souviens quasiment plus là. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead, who yet live. The call of long lost grace speaks to us all. Oraloo, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion.
The loathsome Dung Eater. Et nous aussi au bastion. And Sir Gideon Hawkmere. The All-Knowing. C'est bon ça, un rêve. Tiens. Petit run à refaire, c'est toujours cool. Ça permet de tester des trucs. Moi, avec mon guerrier, j'ai vu qu'il y a tout plein de sorts, tout ça. C'est pour ça que j'ai envie de faire un caster. Whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between. Stand before the Elden Ring. Moi j'ai bien envie de tester le. Faire un build d'avoir un tel, mais pas passer sur la foi pour pouvoir utiliser les sorts des dragons. Mais il faut de l'ésotérisme aussi, je crois. Ok. On va augmenter un peu le son. Touc. Le volume principal. Voilà. Voilà, je vais augmenter un peu. Tu me diras si c'est trop fort ou pas. Flèche de pierre éclat, c'est quoi là? Comme ici, je sais que le premier boss là qui t'ouvre en deux, il y en a qui ont réussi à le tuer, bien sûr. Et on doit pouvoir y revenir après, apparemment. Ça va, 42 de dégâts, c'est bon. On va plus avoir de mana, ça va être sympa. Il est trop fort et ta voix est trop faible. Ah bah je vais rebaisser alors. Et voilà, déjà mort. Bon, celle-là, je la compte pas comme mort.
Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. Le dormeur doit se réveiller. Faire un petit coup le tuto vite fait. Ok, la fiole là. Vous voulez savoir là-bas, vous en apprendrez plus sur la contre-lieu. Ouais, okay. Je me souviens plus. Je sais qu'il y avait moyen aussi de récupérer le machin qui était là-haut. Mais je ne sais plus comment faire. Peut-être y revenir par la suite, je ne sais plus, tiens. J'ai rebaissé le son, sinon ça devrait être un peu mieux. Ça c'est pour ça, pas pour reposer ici, ok. Oula, 11 personnes. Merci Modus pour ton raid, j'espère que ton live d'Outer World s'est bien passé, que tu as découvert tout plein de nouvelles planètes. Merci Audric pour le follow. Bienvenue dans la box. Bah nickel alors du coup si ça s'est bien passé. Oh, mais Karzobit lui-même. Tu veux entendre la mettre, bah allez là, regarde. Voilà. Ça c'est pour changer les sorts, ok. Hop. Non, au début ça va aller. Roulade et pas en arrière. Ok, bon ça, on sait faire. Bah je vois ça. Je vois ça. Partout. J'espère que vos journées se sont bien passées à tous les deux et à tous les raiders. Non, là, il n'y a plus rien à récupérer. Ah oui, il est de nous parler de comment briser. Et merci Jet pour le follow. Bienvenue dans la box. Vous pouvez signer jusqu'à 3 armes à chaque main afin de empoigner une arme à 2 mains pour monter votre 1 et rendre ses attaques plus difficiles à bloquer avec un bouclier. Changer l'arme en 1 à pour la manier à 2 mains. Ok. Donc en gros, si je fais ça. Ah ouais. Ah.
je sais plus, on peut pas. Waouh. Ça dégage. La personne utilisant le chat pour la première fois. Oh. Ah, bienvenue, du coup, les nouveaux. Bienvenue, bienvenue. Alors, ici, c'est le stream où parfois on peut rager. Hein. Je suis pas aussi calme que Carzo et Modus. On va pas se mytho. Bon, après, je fais peut-être des jeux un peu moins chill que Carzo aussi. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas suivi le début. Regardez comme un stalker jusqu'à ce qu'il arrive sur mon stream. Ah, d'accord, ok. Mais non. Oui, bon, on verra quand Carzo fera Elden Ring. Hein. C'est par où? C'est par là. Hop. Bon, de toute façon, ça sert à rien que je le prenne à deux mains. Il a dit quoi, c'était ça? Voilà. On va se boire un petit coup de flotte. Il y a toute une variété d'attaques puissantes et LT compétences. Est-ce qu'il y a des compétences avec... Ah, j'ai une épée. Ok. Non, je n'ai pas de compétences avec ça. Et l'épée non plus. Alors. Bon, là, c'est. Comment ? C'est easy, hein, c'est le début. Même à la limite, on peut faire ça. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Équipement. Ah, bah, elle est déjà équipée. Ok, parfait. Putain, faut s'y remettre, hein. Il faut aussi en remettre. Merde. Ah putain. Voilà. Ah mais même à la limite je peux faire ça, non? Je peux faire ça. 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 Ah oui, ça c'est pour les attaques sautées. La petite idole qui fait que si on meurt, on repopera ici. Ça va bien se passer avec un magicien, je crois. Vous pouvez exécuter une contre-attaque immédiatement après avoir bloqué une attaque ennemie. Contre-attaquer un ennemi permet de briser facilement son action. RT immédiatement avoir bloqué une attaque contre-attaque. Ouais. Enfin, je me souviens. Dis Modus, tu te souviens comment on chope l'item qui se trouve là-bas au bout? Il y a un item là-bas dans le fond. Là. Je ne sais plus comment on fait. J'ai dormi depuis. Et sinon, les raiders de Modus, vous avez joué aussi à... Comment? À Elden Ring? Je ne me souviens plus du tout. Je ne sais plus, tant pis.
On va pas traîner pendant trois plombes, il y a pas mal de petites choses à faire, donc j'aimerais bien faire directement ce soir, aller chercher le bâton météorite, aller chercher le quelques points importants. C'est celui qui est là-bas, là-haut. Je me souviens plus du tout. Soit, peu importe. Oh bah oui, bah carrément. De toute façon, c'est fait pour, hein. Si au début, l'un des premiers coffres que tu ouvres, il t'envoie dans la zone, c'est, à mon avis, c'est pas pour rien. Hop. Alors, il faut que j'aille chercher la hache aussi qui permet de consommer moins de PC quand tu fais tes sorts. Je vais me faire le dragon aussi, le premier dragon. Ferme des temps, feu sacré, ça même. Feu sacré. Ajouter une dose. Hop. Voilà. Répartir les doses. Tac. Ça marche, Modus. Bonne soirée, amuse-toi bien. Merci pour ton lurk. Et nous voici du coup dans la première zone, les Nécrolimbes. Je sais plus, ça fait quoi ça. Vous pouvez trouver dans chaque zone des effigies de martyrs. Celle-ci a fourni de recueil d'invocations. Il vous sera plus simple d'invoquer d'autres joueurs près d'elle, car les marques d'invocation coopératives et compétitives créées à l'aide des effigies. Ok. Mais bon, là, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas me mettre en ligne. Il me dit qu'il y a un problème. Quand je le mets, il me dit quoi comme message, déjà? Il me dit qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est où? Masquer la marque d'invocation. Paramètres de lancement, jouer en ligne. Ok. Non, par contre, je vais pas de matchmaking. Bon, je ne sais plus. Il me dit qu'il trouve qu'il y a un bug et du coup, il veut pas me mettre en mode en ligne. Servez-vous de la carte, ouais, ça, ok. Oh, yes! Sans éclat, n'est-ce pas? Le passage entre terre pour vous emparer du cercle d'Elden. C'est l'évidence même, il n'y a aucune honte à cela. Seulement votre malheur, c'est que vous n'avez pas de servante. Sans personne pour vous guider, sans le pouvoir des runes et sans invitation au bastion à la table ronde, il semblerait que vous soyez destiné à périr dans l'anonymat. Heureusement pour vous, une lueur d'espoir subsiste, même pour ceux qui vont sans servante. Et cette lueur, c'est moi, Varé. Écoutez-moi donc. Connaissez-vous la grâce, cette lumière dorée qui insuffle la vie au sans éclat? Discernez-vous parfois des raies d'or vous indiquant une direction? C'est ainsi que la grâce vous guide sur la voie des sans éclat. Oui, c'est cela. La grâce vous révélera toutes les réponses. Elle vous accompagnera sur le chemin qui est le vôtre, même si celui-ci doit vous conduire à votre tombe. Ok. Jusqu'au château de Voilorage, là-bas sur la falaise, le repère du demi-dieu décrépit, Godric le greffé. Godric avec mon autre perso, je l'ai first try, mais d'une violence. Bon, j'étais un petit peu overcapé, j'avais exploré toute une autre zone avant d'aller y aller. J'étais trop levé. Je crois qu'il est sur la falaise. Et si vous demeurez déterminé à chercher les 5 Glendon, même sans servante. Ok. Bon, alors lui, par contre, il est méga bourrin. On va pas aller se le taper maintenant.
On reviendra sur lui un peu après. Là, c'est des petites graines dorées qui traînent, c'est des petits XP. Donc là, on a contourné le gros cavalier. On arrive à la première église. Hop, on active le signe de grâce. Du coup, là, ça nous explique qu'on peut re-TP directement depuis la map au signe de grâce. Lui, c'est le marchand, faites partie de son éclat, je les vois bien. Et je vois aussi que vous n'en voulez pas à ma vie. Dans ce cas, pourquoi ne pas m'acheter une petite babiole? Je me nomme Calais, je suis pourvoyeur de marchandises précieuses. Puis il vend des choses, il peut nous acheter du matos. Il y a des choses intéressantes à acheter, ça c'est bien, ça nous donne des nouvelles recettes de craft pour crafter tout un tas de compos, ça peut être des flèches, des potions, tout ça. Les pots fissurés, ben, ça permet de mettre les potions qu'on fait, enfin genre les flasques de feu grégeois et compagnie. Celle nécessaire de fabrication, il faut le prendre, parce que c'est ce qui nous sert justement à fabriquer les objets. Mais d'abord j'avais noté qu'il fallait combien... Il fallait monter à combien d'intel pour être tranquille, pour avoir le bâton, c'est 18 me semble-t-il. Ouais c'est ça, 18 d'intel. Donc ça, on viendra racheter tout ça après. On va pas le faire tout de suite. Ça c'est pareil, ça c'est des... Comment ? Ça permet de trouver des trésors cachés, en fait. Voilà. Ça c'est la torche, ça peut être pratique quand on fait les donjons. On va pas forcément les faire tout de suite pour l'instant, on va rester en extérieur un petit moment, on viendra le racheter après. Je suis issu du peuple des nomades, je vends des marchandises au cours de mes pérégrinations. Depuis que le sac d'année a été brisé, cette contrée est affligée par la folie. À part les sans-éclats comme vous-même, pas grand monde ne vient dépenser des runes chez moi, disons que vous êtes un client très apprécié. Ah, c'est bien ça. Recommandation. Dites si vous avez seulement de runes, je vous recommande d'acheter un nécessaire de fabrication, ça va vous permettre de vous convaincre. C'est absolument indispensable pour être si, certes, ce n'est pas donné, et j'avoue que je me fais une bonne marge. Mais votre survie passe avant tout, chaque client en compte, vous comprenez. Ok. Tous. L'atelier de forgeron, ça nous permettra d'upgrader. Comment les armes avant de trouver un forgeron qui nous fera directement la table ronde, il y en a un, tout ça, mais ça on verra ça un poil plus tard. Là on va aller tout de suite au deuxième site de grâce pour récupérer du coup la monture, parce que le PNJ qui nous le donne apparaît au deuxième site de grâce que l'on va visiter. D'accord. Des carreaux, ça pourra se revendre contre des âmes. Normalement, de mémoire, ici, il y a une grotte pas loin. Grotte du savoir, cimetière abandonné. Ouais. Église. Et ici, ces espèces de petits symboles, c'est les endroits pour récupérer la carte de la zone. C'est un composant de craft lambda, ça, je crois. De mémoire.
vais activer le feu. Comme ça, je pourrais revenir juste en temps à déplier. Par là, on ira après. Je sais plus trop ce qu'il y a, ça ne m'a pas marqué. Mais on viendra l'explorer quand on. Quand on aura récupéré la monture. Le début est relativement simple. On vient de récupérer une côte de maille. Oh merde, il m'a attaqué lui. Oh le con. Donc du sang bête, pareil, ça c'est un compo de craft. Coucou parti. Comment tu vas depuis le temps mon ami? La forme? Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Bon écoute, ça va, tu sais. Mais trop boulot dodo, quoi, comme d'hab. Puis là, j'ai redécidé de reprendre un petit peu les streams. Donc, du coup, je me suis dit, bah tiens, comme j'ai jamais fini Elden Ring, enfin, j'y ai joué avec mon guerrier, j'y avais joué 80 heures, je crois, à la sortie du jeu, tu vois. J'ai fait les deux, je pense avoir fait les deux tiers de la surface, j'ai pas exploré le sous-monde. Et puis, bah là, du coup, j'ai dit, bah quitte à le refaire, je vais faire un caster. Donc, voilà, voilà quoi. Pareil, la routine. C'est pas ici qu'il y avait un coffre? C'est le côté de tout. Merde. Oh merde! Oh le con! Seigneurial. Bon, c'est un petit peu gros pour moi, pour mon build. Hein, on va pas se mentir. Là, je vais juste aller chercher. Voilà. Où est-ce que c'est? C'est par là-bas, je crois. On peint, ah bah c'est on. Pourquoi on? François aussi? Non. Ah mais c'est pas possible, il faut arrêter de m'embêter. Putain, ils vont réussir à me faire crever dans le premier camp, quoi. J'hallucine. Là, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a un gars avec son kleps? Là, je me souviens. Ouais, il est là.
Ah, il a mis feu le con. Ok. Attends, on en consomme de la mana quand même. Hein. Ouais, vas-y, tu m'as vu. Fais pas semblant. Viens avec ton copain le chien. Là, il faut pas que j'aggro le gros chevalier parce que sinon ça va être compliqué. Où est-ce qu'il est ? Monsieur Titus. Alors tu pardouilles aussi ? Ah, bon, je comprends mieux. C'est Clem qui dit on peint. Donc c'est pour ça que je dis quoi, what the fuck. Ah merde, je pensais qu'elle allait plus loin. Allez, 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 hop, avance. Là, le gros chevalier, c'est un petit peu compliqué. Ah, ah. Merci pour ton follow, Titus. On va faire le tour, c'est pas grave. Oui, j'ai pas pris la carte du coup. Prenons la carte de la zone. On sera pas venu pour ça. Eh ben, merci pour ton sub, Brother Titus. Lui, il va être un peu stokos quand même. On va pas se mentir. La faire autrement. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Oh mais non ! Mais non ! Sérieusement ! Bah bravo ! Voilà, le premier. Tech. Allez. Allez, à l'effigie de Mariko. Bah bravo ! Aïe, 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 aïe. Tu vas peindre maintenant. Ça m'apprendra à faire n'importe quoi. Bon, ça va, c'est pas grave, je suis mort à côté du feu. Une pensée pour un jug, première mort. Je vois pas de quoi tu parles. Hop, du coup on récupère les armes. On va récupérer tout de suite le. On va aller prendre quelques items qui vont nous rendre un petit peu plus fort. Bon, sans non plus être abusé, trop pété. On va dépenser ces âmes. Ça va être la servante qui va nous permettre de dépenser nos âmes pour booster notre comment nos caracs. I offer you an accord. Propose un marché. Avez-vous entendu parler des servantes de l'augure des doigts?
Elles servent les deux doigts en offrant leurs conseils et leurs aides aux sans-éclats. Mais vous, je crains que vous n'ayez guère de servantes. Je peux assumer ce rôle et convertir vos runes en puissance afin de vous aider dans votre quête du cercle d'Elden. Vous n'avez qu'à m'amener avec vous jusqu'au pied de l'arbre monde. Si tu refuses, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça va être compliqué. Bien, alors c'est décidé. Invoquez-moi près d'un site de grâce pour convertir vos runes en puissance. Ah, autre chose, je vous lègue cet anneau. Servez-vous-en pour parcourir de grandes distances. Cela vous permettra d'invoquer un destrier spectral nommé Torrent. Torrent vous a choisi. Traitez-le avec respect. Ok, donc du coup, on va faire mon... Dois-je convertir vos runes en puissance? Permettez-moi de poser mes mains sur vous l'espace d'un instant. Ton build déjà ou tu verras bien où je te mène? Je pense que je vais faire un caster, évidemment, puisque je suis parti avec l'astrologue. Là, je vais aller chercher le bâton météoritique et tout ça. Je pense qu'à la fin, je verrai si je vais pas partir sur les sorts d'ésotérisme des dragons. Tu sais, de se transformer en dragon, mais il faut que je monte du coup l'intel, la foi et l'ésotérisme. Donc, je sais pas trop. Là, je vais m'orienter pour faire un gros mage, juste sorcellerie, et je verrai après. Si je bifurque un peu avec un peu de foi pour pouvoir faire la magie des sorcelleries. Enfin, des dragons, l'ésotérisme. Du coup, ouais, la prio, ça va être l'intel. Tu as dit combien? 18 d'intel. Donc il faut au moins que je monte de 2 points. Ah putain, mais bon, pas bon coup. Confirmé. Tech. Fiole sacré, sort mémorisé. Tac. Quitter. Donc elle s'envole des pop. Ce que je vais faire, c'est que. Oh merde, j'ai pas vu ce qu'il m'avait dit en appuyant sur M. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Il faut faire ça. Équipement. Ça, c'est mes talismans. Tiens, t'as déjà tout testé, toi, comme type de build de partie. Ah, j'ai pas lu ce qu'il m'avait dit, Nick. Vue simple, aide. Ah oui, non, c'est directement dans l'inventaire. Oui, voilà. Je crois que c'est ça. Changer d'affichage, parcourir, trier, vue simple, N. Fait le jeu 5 fois, donc j'ai vu pas mal, ouais. Ok. Tiens, d'ailleurs, tu sais comment tu récupères l'item qui est dans la zone de départ, là, tu sais, quand tu te réveilles après avoir fait défoncer vers le premier boss, il y a un loot en haut. Je sais plus comment on fait pour le récupérer. Message, multijoueur, config, inventaire. Ah oui, non, voilà, ça coche. Ouais, voilà, c'est ça. C'est là-bas qu'il faut aller. Donc là, ici, on va mettre... Ah oui, retirer, utiliser, fermer, changer. Je vais mettre ça. Voilà. Comme ça, je peux l'invoquer quand je veux. Je vais aller chercher là en haut. La graine dorée tout de suite, ce sera fait. Le point.
bibliothèque. Je vais tout de suite. Je sais plus, je vais tourner plus tard avec la clé en pierre. Ah oui, c'est la première. Ah, c'est peut-être ouais, quand tu remontes tout de suite. D'accord, ok. Ok, ok. Ajouter une... Ah, ils ont mis des petits points rouges dans ce que l'on peut faire. Parler à Mine. Cette légère aura dorée est due à la grâce de l'arbre monde. Cette lueur brillait autrefois dans les yeux de vos semblables, mais à présent, c'est elle qui vous guide. Du moins, c'est ce qu'on raconte. Vous la voyez, n'est-ce pas, la lueur de grâce qui vous guide à travers le Ordalie. Sur la falaise, dans le château de Voile-Orage, se trouve un porteur de fragments, un demi-dieu ayant hérité d'un morceau de cercle d'Elden après l'éclatement. Si la lueur de la grâce pointe vers le château, c'est que le cercle d'Elden vous appelle. En tant qu'allié lié par un pacte, j'espère que vous serez à la hauteur. Et de surmonter le défi que vous impose le cercle. Ok. Je me souviens, dans mon premier run, je l'ai explosé, là, le demi-dieu. Et en fait, j'avais exploré toute la zone du bas en fait. J'avais fait toute cette zone là en bas avant d'attaquer le château. Donc je devais être un petit peu trop haut level, je pense. En tout cas, un caster, oui, pour démarrer. Bâton maîtrisé, chlore fraude. C'est un bon combo. Ouais, bah voilà, c'est ce que je vais aller chercher en fait. Elle va me donner. Ils ont tous été greffés. Tous ceux qui m'accompagnaient, ils ont traversé la mer pour moi, ils sont battus pour moi. Tout ça pour que l'on arrache les bras, les jambes et même la tête. Leurs membres font partie de l'araignée désormais. Le saviez-vous? Si vous êtes greffé à l'araignée, vous deviendrez un cocon. Vous imaginez une chose pareille? Vous êtes tout seul, pas vrai? Et vous allez au château de Voile-Orage, c'est l'homme au masque blanc qui vous y envoie. Je suppose, à moins que vous ne souhaitez faire qu'un avec l'araignée. Dans ce cas-là, nous sommes deux. Sauf que je n'ai pas votre courage. J'ai peur, vous savez, de me faire couper le bras, les jambes ou la tête. J'aimerais être comme tout le monde, mais je suis terrifié. Je ne suis qu'une couarde. Haute opinion d'elle-même. Oh, j'ai une idée. Accepteriez-vous? Ouais, ça je prends. Cette pauvre chose mérite quelqu'un de plus brave que moi. Et puis, vous semblez avoir la faveur des esprits. Je crois que votre compagnie lui fera plaisir. La cloche, mon esprit, permet d'utiliser les cendres pour invoquer une variété d'esprits. En général, l'invocation d'esprits consomme des PC. Ouais. Et là, je vais aller chercher ceux du loup. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Pourriez-vous transmettre un message de ma part si vous croisez des cocons au château Voile-Orage, des joueurs qui sont chers à mon cœur et qu'en dépit de ma lâcheté, je suis convaincu que je les rejoindrai bientôt. Je commence à comprendre cette histoire de douleur, vous savez. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Patati patata patati patata. Hop, voilà. Du coup, là, on va prendre ça. Voilà. On va redescendre à l'église. Mon build magie, je l'avais joué avec le bâton éclat luisate plus comète azur, c'est débile. La comète azur, c'est le sort que t'incantes là, non? Plus tu l'incantes et plus ça tire. Rani. Pareil, sa quête, elle est vachement longue. Quel plaisir de vous rencontrer sans éclat. Je suis Rena, la sorcière. Rena, pas Rani. J'ai eu vent d'un sans éclat sillonnant le pays, chevauchant un destrier spectral et après m'être renseigné sur la question, je présume que vous êtes l'objet de ces rumeurs. Vous possédez le pouvoir, n'est-ce pas? Celui d'invoquer le destrier spectral nommé Torrent. En effet, comme je l'espérais. Voyez-vous, j'ai une chose à vous remettre de la part de l'ancien maître de Torrent. La cloche mon esprit. Voilà. Avec le cendre des loups solitaires. Cette cloche permettant de faire appel aux esprits de ceux qui préfèrent être incinérés plutôt que de rallier l'arbre au monde. Ils vous obéiront, mais pour un temps seulement, tandis qu'ils se remémorent la bataille d'antan. Ceci vous appartient désormais, faites-en bon usage. Kamehameha et le bâton boost le sort, tu peux OS quasi tous les boss du jeu. Ok, d'accord. Pardonnez mon intrusion sans éclat, je dis que tout le monde se croise à nouveau, mais prenez le temps de vous familiariser avec l'entre-terre. Combien de temps encore avant que les sans éclat se lassent de leur soumission aux deux doigts? Ah oui, c'est vrai qu'elle allait dans la faction adverse, entre guillemets. Alors, du coup, inventaire. Non, pardon, pas l'inventaire. Ici, on va mettre. Celui-ci. Et ici, on va mettre celui-là. Ça, c'est plus un tank, la méduse. Tant les loups sont DPS que la méduse est plus un tank. Ok, ça c'est bon. Lui.
Bref, vous revoilà. Vous voulez acheter quelque chose? Non, je vais te vendre des trucs. Ça, l'espadon royal, je vais le garder. Ça, je te le vends, j'en ai plus besoin. Je vais pas l'équiper. Goodbye for now. Tac. Montée de niveau 18 d'intel. Tac. On peut encore lui parler? Eh ben. Moi, je suis un peu. Les cinq m'ont loué ma mère il y a fort longtemps au sein même de l'arbre monde, de la raison pour laquelle je suis encore en vie malgré mes brûlures et ma forme éthérée. Je dois vous présenter mes excuses cependant. J'agis telle une servante, mais je ne puis vous prodiguer mes conseils. Je ne suis nullement une servante. Mon dessein a été perdu il y a bien longtemps. Ah ah. Hop, voilà. Du coup, merde. Super. Le misclic qui va bien. Du coup, on recharge ses fioles, tac. Je vais aller là. Ensuite, je vais faire ça. Je vais aller chercher tout de suite le... Oh. On va faire ça, ça. Ouais. Je vais aller me faire le dragon. Je vais le sacrer, répartir les doses. On va prendre 4. Touk. Ok. J'aurais pu me TP, ça aurait tout de suite. Ouais. Ok, donc là le but ça va être d'aller ici, là quelque part, ensuite on descendra là, on va aller ici, ensuite on va aller prendre un truc de sorcellerie là, on descendra ici pour aller commencer la quête du mec loup-garou. Ce qui va nous redemander d'aller voir le marchand ici après. Et une fois qu'on y aura été, il faudra retourner le voir ici. Il va nous demander de tuer le mob qui va être dans la géole ici. Et en fait, une fois qu'on l'aura fait, il pourra débloquer un objet chez le marchand géant, nous permettant d'avoir un pendentif qui diminue le coût en mana des sorts d'invocation. Voilà, il y a un gars qui nous parle. On va pas lui parler tout de suite. Parce qu'en fait, pour être tranquille, il faut avoir un objet qui lui dit qu'il est beau. Ça raccourcit dans sa quête. Sinon, c'est un couturier qui nous permet de modifier et de jouer avec les apparences des objets, en fait. Alors là, il y a le gros cavalier qui fait très mal, lui, par contre. Lui, il déconne zéro. De la mana.
couteau aiguisé, vous pouvez... Voilà. Le couteau aiguisé, on va le récupérer. Après, il était dans le premier corps, dans la cave, là où je suis mort comme un caca. Hop. Oups. Oh putain, je l'ai ouvert. Là, ça va être compliqué parce que lui, il est archi trop fort. Ici, mémoire, c'est une pierre, je crois. Une pierre de forge. Là, on s'en fout, on trace. Hop. Là, on s'en fout de la caravane, on va pas la faire tout de suite. Ok, il y a des agros, c'est bon. Ici, je vais aller tout de suite chercher le parchemin qui se trouve là-haut en fait. Là, on va tomber sur une magicienne qui s'est fait virer de l'école de magie et qui va nous servir de maître pendant un petit moment. Et en fait, elle nous vendra de plus en plus de sorts différents au fur et à mesure qu'on lui ramènera des bouquins de magie en fait. Donc là, on va aller en rechercher un. Alors le début, je le connais un peu. Mais après, le reste, au-delà de ce qu'on va faire ce soir, après, ce sera... J'ai plus trop de souvenirs du jeu, donc... C'est pour ça que je commence ce soir par faire ce que je me souviens. Pareil, au pied de ces items, là, de ces trucs-là. On trouve toujours le même objet, mais je sais pas à quoi il sert. Je sais plus ce que c'est. Des éclats de lumière stellaire, voilà. Je sais pas ce que c'est. T'es sérieux, non ? Et pour pouvoir faire le double saut, on va prendre un petit peu d'élan. Non. Voilà, parchemin de la maison royale. Et donc ça, c'est le genre d'item qui nous permet... Voilà. À donner à un sorcier expérimenté pour obtenir de nouvelles sorcelleries. Donc du coup, on va... ça... descendre normalement. Ouais, c'est là-bas. Mais pour repartir, ce sera plus facile avec le TP.
Alors. Quand on bute un scarabée rouge, il régène nos fioles rouges, et quand on bute un scarabée bleu, il régène nos fioles bleues. Voilà. Donc je vais aller activer le TP dans la cave ici. C'est racheter des choses à un PNJ. Ah ok, d'accord. Bon, ça va, parce que je suis jamais tombé sur le PNJ en question en fait. Alors, alors ici, il y a plein de. Comment de fucking plantes. Avec une énorme grosse fucking plante. Qui mettent beaucoup de poison. Poison, je ne sais plus trop quoi, d'ailleurs. Poison et du poison. Là, ici, il va y avoir un boss citrouille. Le boss citrouille. On va invoquer les chiens. Quand tu veux, pour esquiver. Et on active ici le point de grâce. Bon, c'est pour ça que je pense qu'il faudra que je trouve une cendre d'un gros tank. Ça me servira bien. Et pareil, là, une suite de quêtes qui est vachement longue. Je l'ai pas du tout fini avec l'autre. Vous êtes un sans éclat, n'est-ce pas? Quel plaisir de vous voir par ici. Je me nomme Célène, sorcière, tout simplement. Que faites-vous ici? Je souhaite apprendre la sorcellerie. Ah, vous aspirez à maîtriser la sorcellerie des pierres éclats? Eh bien, vous en semblez relativement capable. Mais il convient de choisir ses maîtres de manière avisée. J'ai été exilé de l'académie de Raya Lucaria, on ira plus tard ça, et traité comme une sorcière apostate. Souvenez-vous toujours que je vous instruis. Quoi, qui dit quoi? Souhaitez-vous, hein. Je souhaite apprendre malgré tout. On peut dire que vous êtes un sacré numéro. Très bien, vous êtes désormais mon apprenti en sorcellerie des pierres éclats. Mais sachez que je ne ferai preuve d'aucune compassion ou flatterie à votre égard. Jamais. Préférez-vous des injustices? Préparez-vous à des injustices, disciple. Et là, on peut du coup directement donner un parchemin. Donner le parchemin de la maison royale. Oh, est-ce un parchemin? Voilà qui me renvoie à mes jeunes années à l'académie. Fort bien, cette sorcellerie ne m'est pas totalement étrangère. Je m'assurerai de l'inclure dans l'un de vos cours. Oh, j'ai pas eu le temps, voilà. Et quand on étudie, voilà. Et là, du coup, c'est vrai qu'on voit qu'il va falloir des... Alors ça, il faudra que je le prenne, la trancheuse de carrière. C'est vachement fort. Étoile de pur... De toute façon, je vais tout acheter, les sorts. Hein. Pas ce... Arc de pierre éclat. Barrage de cristal. 23 d'intel. Le bouclier. Ça, c'est pas mal aussi, les phalanges. Crée un arc défensif complet, non hein. Ok. Du coup, pour l'espadon, il me faut 1500. La trancheuse de carrière. Ok, 1500. Je suis à combien là? Oh bah, ok. C'est combien? 50? 200? Bah voilà, parfait. Hop. Vous êtes un puéril sans place, sans marché, ainsi pour devenir un sorcier, vous devez tout d'abord accepter votre énorme. Bon, pouvons-nous commencer votre apprentissage? Ok, du coup, on va modifier
C'est au feu qu'on modifie les emplacements des sorts, je ne sais plus. Non, le feu, il est là, ça c'est une vulgaire bougie. Alors, Fiols, ah oui, sort mémorisé. Donc, du coup, ici, on va mettre hop, ça, voilà. Très bien. Pardon, excusez-vous. Voilà, voilà. On va invoquer ça des bêtes. On va descendre là-bas de l'autre côté. Ah mais bon, je vais arrêter de ramasser tout ce qui traîne. Sauf au début, on a besoin des... de ces petites choses. Par où on descend? Là-bas. Et de là. Voilà. Ici, je vais mettre quand même une balise. Non, pas une balise. Je peux mettre un symbole? Liste des signes de grâce? Non. Repère, voilà. Tac, on va mettre un petit cheval pour dire qu'ici, il y a un poste de saut. Alors là, ici, il faut qu'on essaye de récupérer la route. On doit entendre les loups hurler. Je crois qu'ils viennent d'hurler là. J'ai cru les entendre hurler. Non, j'ai rêvé. Je crois que c'est bon, j'ai cru les entendre hurler. Pas une route dans le temps ici quelque part. La colère gronde chez les semi-humains depuis que leur mère a été assassinée. Que demeurez-vous, Seigneur Kenneth? Le chevalier tourmenté par le sang. Là, il y a un petit site de grâce, on va aller le prendre. Après, on va monter en haut vite fait. Alors, on n'a pas le level pour aller faire le petit château qu'il y a au-dessus. Mais juste à côté du château, il y a un arbre avec une graine dorée, du coup on va lui choper la graine dorée. Et on se casse. Mais je crois qu'il faut y aller la nuit en fait. Voilà, là j'ai les agros.
magasin ouvert, c'est quoi ? Ouais, voilà. Ouais, voilà, ça y est, là on les a entendus. Du coup, je peux repartir ici pour parler à Calais. Calais, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et comment ? Il va nous dire d'y retourner, je crois. Attendez, vous n'étiez pas... Ouais, ouais. Les hurlements des bois brumeux. Voilà. Un hurlement de loup dans les bois brumeux. Je conclus qu'il rôde encore dans les parages. Ah, je sais. Pourquoi ne pas aller vous-même à sa rencontre ? La prochaine fois que vous entendez le loup hurler, faites ce signal à la source du cri. Ne vous en faites pas, vous n'avez rien à craindre. J'ai le sentiment que vous entendrez à merveille tous les deux. Claquement de doigts. Voilà. Donc, du coup, j'ai rien à vendre, je suppose. Tac, tac, j'ai pas rajouté de trucs. Non. Combien j'ai d'âmes avec moi ? Ah putain. 160, donc on s'en fout. Par contre, ici, je vais mettre. Ah, on peut pas mettre les. On peut pas. Ah, les emotes sont en dessous, je suis coulant. Geste de la main, doigt devant, saut, se reposer, cri de ralliement. Ici, on va changer. Et je vais mettre du coup le claquement de doigts. Claquement de doigts. Voilà. Confirme. Ok. Et du coup, on va y retourner. Non, c'est pas. Hop. Parce que la suite de la quête, du coup, ça va être d'aller tuer le mec qui se trouve juste ici. Et comme on va aller chercher un bouclier qui se trouve là, ou là, je ne sais plus, bientôt, en fait, on passera pas loin. Et d'ailleurs, je crois que c'est le premier que j'avais tué avec mon perso guerrier. Et il loot une très grosse hache à deux mains, épée à deux mains, courbe. Et j'ai fait une grosse partie du jeu avec, avec celui-là. Je vais essayer de passer par en haut pour pas aggro les semi-armes là. Ok, donc là il y aurait eu les. Voilà, et normalement le PNJ doit être à l'intérieur. Ah. Refaisons claquement de doigts du coup dans le doute. Oh là, mais un gros ours là. Il y a un gros ours. Ah bah il est là. Oh putain, il m'a fait peur. Et lui, donc, c'est un des sbires de Rani, la sorcière qui nous a filé le torrent. Mais on verra plus tard. Pareil, il y a une suite de quêtes super longue. Calais t'envoie, pas vrai ? Ce petit fineur n'a pas changé. Peut-être qu'à ses yeux, tu n'es pas si étrange que ça. Je m'appelle Blade. Je cherche un certain Darry Wild. Il s'est enfui quelque part par ici, du moins, c'est ce que l'on m'a dit. Viens me voir si tu le trouves avant moi. J'ai une belle récompense pour toi. Voilà. Et en fait, donc, ce fameux gars, c'est le gars qui est enfermé dans la prison. Et le fait de lui avoir parlé, ça va nous permettre de pouvoir l'invoquer pour nous aider dans le combat. Thank you.
Du coup, je sais plus ce qu'il y a au pied de l'ours. Ok. Run. Mais arrête de... Arrête de t'accroupir, Nono. Nono Didil. Non, mais... Non. Heureusement qu'il est coincé dans ses ruines. Hop. Ah ouais, il est pas si coincé que ça, en fait. J'aimerais quand même bien voir ce qu'il y avait dans son truc. Comme il est parti. Talisman de la hache. Okay. Bon, alors ça, c'est différents talismans qu'on peut équiper et qui nous permettent d'avoir des boosts. Donc là, ça doit certainement être un boost aux dégâts des haches. Améliore les attaques, ah non, les attaques chargées. Voilà. Bon, c'est plus pour les builds de cac. Du coup, là c'est bon, c'est fait. Du coup, je pense qu'on va aller se faire le dragon au milieu. Ça me paraît bien. On va faire ça. Tous ces mobs après hein. Qu'on aura récupéré quelques trucs, on sera un peu plus costaud. Parce que dans ces ruines qui se trouvent là-bas en face, c'est là qu'il y a le piège qui nous TP loin. Du coup, dans l'équipement, ce que je vais faire par contre là, je vais faire ça. Voilà. Je pense il arrive de là-bas, normalement on doit le voir arriver. Donc, oh bah, il y a une petite île, c'est cool. Et là, qu'est-ce qui se passe? Boum, tout le monde est mort. Je me souviens plus trop de ces patterns. Putain, one shot. Ok. Je me souviens plus trop de ses patterns, lui. Oh, je me souviens quand je l'avais fait avec mon guerrier, il s'était envolé sur... faut que je mette un kill. Sur les bordures de la falaise, là. C'était un petit peu chiant.
Après, pareil, je connais pas trop la portée du sort. Portée du truc ici. Ok. Ça passe au travers les murs. Bravo. J'étais trop loin. Jouer caster en début de jeu, bon courage, il y a quelques failles compliquées. Ah ouais? Bah tu vois, je pensais que ça allait être un peu plus simple avec... C'est quoi ça? Avec un caster pour le dragon, mais apparemment non. Du coup. Pierre de forge sombre, ça se prend. Je te dis, c'est aussi le temps de voir un peu le comment, enfin la portée des sorts, etc. Tu vois, oh, tu vois la garde directe, il a esquivé quoi, je propose. Regardez quand même le mec, c'est très sûr. Je sais pas dans quel côté il allait partir. Ok. Les pattes. Je sais pas, on fait pas plus de dégâts dans la tête, je pense. Je voudrais que j'essaye. Ok, tu restes dans ses pattes. Tu as quelques trucs à esquiver seulement. Le caster, je sais même pas si vous... Tu as assez de mana. Faut juste tomber en sort, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Trahi, sinon c'est pas grave, j'irai chercher le bâton, on ira pexer ailleurs. Bon, parce que je m'étais dit que du coup ça aurait été un petit peu plus simple pour avoir un gros pool de XP déjà dès le début, tu vois. Thank you.
Ah voilà, il est remonté là-haut. Ouais, mais reviens, allez. Non, dans le mauvais sens, je suis parti dans le mauvais sens. Ah, je suis encore parti dans le mauvais sens, plus gros. Peut-être qu'il commence toujours dans le même sens, je pense, son crochet. Et voilà. Bon, au moins comme ça, le dragon, c'est fait. Ouais, c'est ça, ça faisait plus. Les armes sont disponibles à la cathédrale de la communion draconique. Ça, on ira après. Du coup, on a quelques âmes, je pense. Mince. Où est-ce qu'on voit ces âmes? 5000. Donc là, avant d'aller là-bas, parce que j'ai pas envie de mourir avec mes 5000 âmes, on va pas faire le con. On va aller les dépenser. Merci, merci. Touk. Ah, par contre, je sais plus. Je crois qu'il faut 13 en force pour porter la hache. J'ai mes 18 d'intel. Ou c'est 14? Ça doit être 14. Bon, de toute façon, on fait ça.
238. Ok. Là, je vais aller du coup chercher le bâton météoritique. Merde. Ah, c'est pas possible ça. Mais il est où ? Sur le cul. Ah là là. Effigie de Marie. Merci, Audric. Merci. Tout ce beau monde sur la route. Oh, super. Voilà. Ils sont terribles ces chiens. Les chiens avec les rats, les pyramides. Tout from aujourd'hui. C'est ça. Ok, bon, on va y aller. Quoi, je tue même pas un rat avec un sort, tu rigoles ou quoi? Ah bah là je l'ai tué complètement lui par contre. Ah, on récupère une peau, parfait. Ok Audric, merci pour le lurk, j'ai pas vu. Donc ici du coup, hop, le petit piège. Oh mais non, mais qu'est-ce qui se passe, un piège téléporteur?
Bon, écoute. Ça, je sais plus ce que c'est, ça. Ouais, je regarde. Alors, on va profiter que lui est passé pour vite fait se barrer par là. Tout, 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 comme ça. On peut obtenir des matériaux ? Bon. De toute façon, je sais qu'ici, on y reviendra plus tard. La petite effigie qui va bien. Là, il n'y a rien à récupérer. On va juste... Graisse putréfiée. Trop, c'est la première fois que je suis arrivé ici. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette zone? Alors là, de mémoire, il faut passer par là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce machin-là aussi. Oh, on le rechoppera plus tard. C'est là ici. Hein. Oh putain. Où est-ce que c'est? C'est là-bas? Je pouvais obtenir des matériaux. Oups, désolé monsieur. Ah oui, c'est là que je dois venir après. Je me suis paumé. Bien. Tout va bien. J'ai mon bâton, c'est pas grave si je décède. Hop. Ah, je peux pas. Ok.
Ouais, j'ai préco Diablo 4, ouais, tout à fait. Mais je suis pas là, enfin je suis une semaine en vacances quand. Comment quand il sort, donc je rentre le 12, donc je le ferai à partir du 12 en fait. Ben, je n'avais pas forcément l'envie de le faire, et puis j'ai fait le week-end, j'ai joué un petit peu dans le week-end de bêta, et j'ai trouvé ça plutôt sympa, donc du coup. Voilà quoi. Du coup, équipement, on va pouvoir mettre ceci. Ouais, donc ça c'est bon, les 18 d'Intel, je les ai. On va pouvoir sans mémoriser. De toute façon, je vais aller chercher un troisième emplacement de sort. Pour pouvoir TP alors. Bon, je vais chercher le site de grâce qui est là-bas, du coup c'est pas grave. Et toi, tu l'as préco le D4? Peu de dégâts maintenant. Chelou. J'ai un peu joué aussi à la bêta, j'ai monté tous les persos level max. Ouais, j'attends avec impatience. Ok, ok. Bon, on va juste essayer le nécro. Par la cabane après la porte sud. Ouais, mais ça on verra plus tard parce qu'ici c'est balèze. Ah, vous êtes au bas de la table ronde, pardonnez-moi, je vous mettais à l'épreuve afin de déterminer si le cercle d'Alain pouvait vous accepter. Et si vous aviez la force d'endurer cette longue et périlleuse voie, il semblerait que mes craintes ne soient pas fondées. Torrent, vous avez cerné dès le début tandis que moi je faisais semblant. Il n'est qu'un seul point sur lequel je puisse vous guider. Je peux vous conduire au bastion de la table ronde, lieu de rassemblement des champions sans éclat guidés par la grâce. Ouais, bon, allez, on y va. Permettez-moi de poser les mains. C'est pas un autre. Bah, viens, vas-y. Allons à la table ronde, rencontrer tout ce petit monde. Le bastion de la table ronde est un layer en se rasant les sans éclats, guidé par la grâce, tout combat, il est prohibé. Que vient la carte? Oh, ok. Par contre. Fort rare. Quand avons-nous reçu pour la dernière fois un nouveau sans éclat autour de la table ronde? En vertu de mon ancienneté, je vous souhaite la bienvenue. Ce lieu est sûr, vous ne craignez rien ici. Permettez-moi votre conseil. En tant qu'aîné, vous n'êtes que de passage à la table ronde, rien de plus. Un simple invité encore bien loin d'avoir fait ses preuves. N'oubliez pas votre place novice. Il n'y a rien de plus à dire, vous pourrez vaquer à vos occupations. Ok. Lui, il cherche son. Ah bonjour, vous venez d'arriver, je suppose. Eh bien, appelez-moi Dialos. L'honneur d'une maison n'a que peu d'importance sur ces terres. Au feriez-vous croiser une jeune femme répondant au nom de Lania au cours de votre périple? Il s'agit de ma servante, mais elle est très volage. Quittez-la des yeux, ce serait qu'un instant, et la voilà disparue. Si vous la trouvez, veuillez m'en informer. Si vous croisez une Lania, donc si je la croise. Ok.
Je ne crois pas vous connaître. On m'appelle D. Je traque les non-morts et arrache leurs mortes fleurs. Prenez garde, restez bien à distance des non-morts aux plus fortes raisons. Si vous apercevez un objet parmi eux, au moins que vous ne souhaitiez périr en vain. Alors là, je me fais le nouveau Zelda sur Switch. Je vais me tenir jusqu'à Décan. Donc... Ah bah c'est bien, ouais, nickel. Moi j'ai préco le guide du nouveau Zelda et j'ai pris l'amiibo, mais j'ai pas encore acheté le jeu. Je le trouverai d'occasion plus tard. Restez bien à distance des non-morts, je suis très bon. Okay. Lui c'est le prêtre qu'il va falloir aller emmener jusque le masque d'or. Oh, une nouvelle recrue, bienvenue sur la table ronde, je suis Corinne, un ecclésiastique. J'enseigne les incantations, un puissant savoir que nous tenons des deux lois. Et je cherche à percer les secrets de l'ordre d'or, dans l'espoir qu'un jour, si un sans éclat de la table ronde devait accéder au titre de Seigneur d'Elden, je puisse lui servir de conseiller. Je veillerai ainsi à ce que le monde des hommes soit soumis à une loi juste. À ce propos, le voyez-vous toujours, la grâce censée nous guider. Ah oui, je la vois. Vraiment, excellente nouvelle. La plupart des sans-éclats semblent aveugles de nos jours. Les gens comme vous se font rares. Eh bien, quand dites-vous, souhaitez-vous apprendre une incantation dès le 2? Bon, ça faut... C'est l'essor de foi, en fait. De foi et un peu d'ésotérisme pour les... Ok. Puisse l'ordre d'or guider vos pas. Ok. Ensuite, de ce côté-là. Là, il y aura le bureau. Lui, je sais plus. Il y a un moment, je récupère son armure. Il dit rien du tout. Là, il y a les marchandes. Ouais, ça, les perles, on les récupère, c'est pour augmenter le type d'objet qu'ils donnent. Et là, en fait, voilà, là, il y a un mémolite. Donc là, il va falloir l'acheter, le mémolite, parce que ça donne un emplacement de sort en plus, ça, c'est cool. On en trouve en jeu, et après, on peut aller prendre ceux-là. Voilà, voilà, ça, je l'ai plus. Offre une munition d'une rune majeure équipée, appelle un chasseur à l'aide lors d'une invasion, répond aux deux modes d'invocation des chevaux. Ouais, ça, c'est des items de PVP. Saut des doigts. Bon, au début, c'est pas fifou hein, ce qu'ils vendent. Mais il faut quand même 3000 âmes pour acheter le mémolite. Là, la porte s'ouvrira après, prochaine fois qu'on reviendra. On va retrouver le gars là, dans le bureau. Là, ici, il y a les deux doigts qui sont derrière la porte, mais il faut tuer, je pense, le premier boss du jeu pour que ça s'ouvre. Ici, on a un forgeron. Là, ici, après, il va y avoir la nana qui nous a donné la méduse volante, je crois, qui revient là, et on lui fera des plantes pour upgrader le niveau des cendres qu'on invoque. Donc lui, c'est juste un forgeron. Tu peux mettre des cendres directement sur un item, que ce soit une arme de distance, de cac, un bouclier. Après, on peut dupliquer les cendres, je sais pas comment ça marche, enfin, soit. À propos des chaînes sur vos jambes, il semblerait que vous ayez remarqué mes chaînes, j'ai pas grand chose à dire, je suis prisonnier, ce sont mes frères, je suis piégé dans ce bastion, condamné pour l'éternité, offre mes services à des gens comme vous. Voilà. Vous êtes prisonnier? Non, n'allez pas vous méprendre, je ne vous reproche rien. Si je suis prisonnier, ce n'est pas par de votre faute. Et puis, ça ne me dérange pas de forger. Malgré mes particularités, je suis parfaitement capable de renforcer les armes. Ma technique ne m'a jamais fait défaut. De plus, cela m'aide à oublier la terreur qu'elle m'inspire. Voilà. Là, ici, ça doit s'ouvrir plus tard. En bas, il y a tout un endroit pour récupérer des objets, mais il faut pas mal de clés en pierre. Et à la fin, ça donne un arc. Ici, plus tard, on aura un autre perso, une pyromancienne. Et là, on se retient, ouais. Et la pyromancienne, on peut pas y aller, je crois. Oui, voilà, c'est pour ça qu'il faut mettre un truc dedans, une clé dedans. La pyromancienne, elle nous aidera à combattre le premier boss, et après, on la retrouvera ici, je crois. Et ici, pareil, dans la pièce là, on a une PNJ avec une assez longue suite de quêtes, je les ai pas finies sur mon perso. Salutations, ici champion, illustre champion de la grâce, je me nomme Fia. Les circonstances m'ont poussé à rester au bastion de la table ronde.
Illustre champion, me permettez-vous de vous tenir dans mes bras l'espace d'un instant. Peut-être accepteriez-vous de partager avec moi une partie de votre vitalité, de votre bravoure. Ce faisant, j'acquerrai la chaleur des champions. Et vous, j'en suis sûr, jouirai de la bénédiction du Baldaquin. Vous trouvez cela vulgaire, peut-être, d'où je viens, il s'agit d'un acte sacré. Donc elle nous étreint, je ne sais plus trop ce que ça fait. Et comment, mais enfin, il y a toute une suite de quêtes avec elle. Qui nous emmène même, il me semble, voir la magicienne Reina. Je ne sais plus. On verra au fur et à mesure. Vous êtes si chaud. Bénédiction du Baldaquin. Okay. Cette chaleur en vous est signée la bénédiction du Baldaquin. Je crains cependant que cette sensation ne soit qu'éphémère. Revenez me voir si vous souhaitez vivre cela à nouveau. Je vous étreindrai aussi souvent qu'il le faudra. C'est bien, c'est un câlin sur demande. C'est cool. C'est good. Allez, on n'a plus rien à faire ici du coup. Là, il n'y a pas encore de PNJ, on l'a pas encore rencontré. Voilà, là, ici, il y aura un mage après. Qui a une fin triste. Enfin, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de persos qui ont des fins heureuses. Là, ici en bas, on pourrait y aller et il y a un PNJ à buter. Un PNJ, un mob qui nous attaque. Voilà, voilà, voilà. Donc, on a fait le tour du bastion 186. On peut se casser. Du coup, je pense qu'on va aller là, redescendre ici, ça me paraît bien. On ira faire le mec avec son couteau de saignement après. Après, on ira aussi dans cette grotte ici. Il nous reste la première, celle-là aussi à faire, on l'a pas encore fait. Les cimetières, il y a souvent des runes qui se baladent dessus. C'est plutôt pas mal. Parce que parfois les runes elles permettent de faire la proie au niveau des âmes. Ok, ce camp on ira le faire après. C'est par là. Oh, ça sert à rien de les tuer. Pareil pour eux ici. Ça c'est pareil, c'est des mobs qui servent pas à grand chose, ils nous aggro pas. Voilà, donc là dans la géole ici. C'est ici qu'on doit tuer le mob pour la quête de... Comment ? Pour la quête de... Du guerrier loup, là. Mais par contre, je ne sais plus où se trouve sa marque d'invocation. Elle est dedans ? Il ne me semble pas qu'elle soit à l'intérieur. Je ne me souviens plus. De toute façon, on va aller chercher 2-3 objets avant d'y aller. On ira après. Clouc.
Pareil, c'était de la quête, elle, voilà. J'ai pas trop compris. En fait, quand on lui parle, bon, on le refera plus tard, mais... Où est-ce qu'elle est? Elle est là-bas. Quand on lui parle, elle nous donne une lettre pour amener à son père qui se trouvait au fin fond du château, là, tout au sud. Et quand on revient pour lui dire que, bah, on a... Comment? Qu'on a réussi à donner la lettre, et ben... elle est morte. Alors, est-ce qu'il y a un timing? Est-ce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Là, il y avait des items sur le pont, j'aimerais bien aller les chercher. Surtout qu'en plus, là, les mobs, on les a de dos. Ok, ça suffit, on a récupéré nos deux items. Donc il y a pas mal de choses intéressantes. Il y a ça surtout. Ça parle de la bande des semi-humains. De toute façon, lui, il est là, il bougera pas. Là, ce qu'on va aller faire, on va aller tuer le géant. Il y a un géant qui nous tire dessus. À vous portant.
Non, ils étaient donc dans ce château. Et tout à la fin, je crois. Qu'il y a un boss loup-garou qui drop une énorme épée. Un peu style épée Game of Thrones, une épée faite de plein de petites épées. Et c'est avec cette épée-là, j'avais clean en fait dans ma première partie toute cette zone là ici. Et seulement après, j'étais parti voir le premier boss. C'est pour ça, je pense que j'avais un peu beaucoup trop XP. C'est pour ça que le boss, je l'ai quand même buté de manière assez facile. Là, il y a des textes à lire, je crois, là-dessus, ici. Le siège du château devant hurlant, un héros solitaire combat pour se venger, et là, c'est succombe face au seigneur Geoffrey. C'est la zone du boss là, ok. Je pense pas qu'il repop l'archer. Du coup, on va aller se reposer, on va attendre la nuit. On va faire passer le temps jusqu'à la nuit. Et ensuite, on ira se faire le boss qui drop une hache à une main. Et quand on la porte et qu'on tue des ennemis avec, une fois qu'on l'a équipé, on regagne des points de magie. Ce qui fait que du coup, bah, en fait, les attaques magiques vont vraiment coûter très très peu de mana. Ah oui, et en plus, il se trouvera ici. En fait, on va le combattre dans cette zone ici. Mais il ne pop qu'en fait nuit. Où est-ce que je l'ai vu, le bordel là? On va donc du coup ajouter une dose, oui, ok, répartir, ouais, deux fioles de vie ça me paraît pas mal, monter de niveau, il me semble que c'est 14, je l'ai pas noté, il me semble que c'est 14. On ira chercher la mémolite après. Faire passer le temps jusqu'à la nuit. Donc ça, dans le jeu, faut faire gaffe. Il y a des boss qui apparaissent que la nuit, comme le cavalier là qui arrive par exemple. Ces gros cavaliers là ne sont là que la nuit et ils dropent chacun des items différents. Enfin, chaque cavalier qu'on croise drop des items différents. Ils sont tuables une fois et enfin c'est assez balèze quand même. On va pas se mentir. C'est assez balèze. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, ça va être... Et là, du coup... Quoi ? Ah ! Il est où ? Il est là. Donc là, il faut pas être trop près, parce qu'en fait, lui, déjà, il a une allonge énorme. Voilà, comme ça, par exemple.
Il tape fort. Il tape vraiment fort. Enfin, j'ai pas de point de vie aussi. Sommes-nous toujours la nuit? Non. Ouais, on n'a pas le. Ouais, on est au matin. Nick. Monter de niveau. On va aller chercher le mémolite. Donc ici c'est un bouclier carapace. L'avantage du bouclier carapace en fait c'est qu'il nous permet de régénérer l'endu. Et il faut avoir... Où est-ce qu'il est ? 14 de force pour le porter. Ah c'est 14 le bouclier et 16 le... 16 la hache il me semble. On est toujours en charge moyenne. Ouais il y a un petit peu plus lourd. Mais par contre il n'y a même pas une protection de sang. Ah, 87. Pierre calorifère, je sais plus à quoi ça sert ce truc. Donc du coup, ici pour ouvrir, il va falloir que je trouve trois bêtes érudites qui sont un peu cachées. Et en fait, elles sont là. Ce sont les tortues invisibles. Voilà. Ah mais. Ensuite, il y en a une autre là-bas. Oups. Alors. Et la troisième. Il me semblait qu'elle était cachée dans les fourrés, là, pas loin. Non plus. Ici il n'y a rien je crois dans le bord. Donc les mimolites il faut simplement les avoir dans l'inventaire, c'est un peu comme la cloche pour invoquer des cendres, on n'a pas besoin de l'équiper quelque part. Voilà, mimolite.
Et du coup, quand on regarde dans l'inventaire, on voit qu'on a un troisième emplacement de sort en bas à droite qui vient d'être débloqué. Voilà, voilà. Ici, il n'y a plus trop rien à faire. Ah, bah vas-y, donne-moi. Plus que c'est tout ça. Lui. Ah ok. C'était peut-être pour une quête. Je viens peut-être de foutre une quête en l'air. Je me souviens plus. Parce qu'il ne restait plus beaucoup de points de vie. Quand je l'ai tapé dessus, il était encore en vie avec très peu de vie. Deux fois de suite. Il y avait peut-être quelque chose à faire entre deux. Je ne sais pas. On souhaite. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai de l'XP, moi. 1283. Descend.
On passe le temps. On attend que Pépère soit passé. Je pense pas que ça vaille le coup d'invoquer des cendres pour l'autre bestiole. Vu comment elle tape fort. Bon, je pourrais essayer. Ah non, on peut peut-être pas invoquer de cendres, remarque, quand on est à cheval. Non, c'est pas grave. Normalement, il n'y en a pas besoin. Ça devrait le faire. Ah putain, je suis coincé dans l'arbre, non. Et j'ai de toute façon quasi une mana. Plus de vie. Et là, on a du coup la hache sacrificielle. Et du coup, cette hache va nous faire regagner des PC quand on va frapper. Hop. Ça, on protège de toute façon. C'est ça, il faut avoir 16 en force pour l'utiliser. Que le gros cavalier soit pas là, et bien évidemment il est là, bien sûr. Parce que là, avec les demi-HP qui nous restent, ça va être compliqué de... Je pense qu'on a récupéré quasi tout ce qu'on voulait. Non, c'est pas
monter de niveau. Force 16, voilà, on est bien. Après, il va falloir augmenter du coup la vigueur, hein, bien sûr, parce que bon, faut essayer de monter à 15 en vigueur, je pense, ça me paraît bien. Plus d'effet passif, c'est quoi cette connerie? Ça a été nerfé ça? Parce que dans les effets passifs, normalement ça devait marquer que ça récupérait des CP quand on l'utilisait. Ah ok, attends, description, équiper, retirer, détails. Non. Changer, parcourir, trier. Ah oui, il y a un écho de puissance conféré par le rituel subsiste dans cette arme. Lorsque vous éliminez un ennemi, vous récupérez une faible quantité de PC. C'est obligé d'accélérer et récupérer. Ah voilà. Ça me rassure. Bon, tu vois, du coup, je vais essayer d'aller me faire lui, là. Ah bah, super. Ok. Ah, il est super rapide. Ah, ouais. Pas mon PNJ hein. Salut vous. Je suis pas assez fort pour ces mobs là tout de suite. Ah ça marche Brother Titus. Bonne soirée. Ça y est, je suis seul. Ah oui, donc du coup, hop, on n'oublie pas le petit compteur. Normalement, mon cadavre, il est pas loin d'ici, je crois. Voilà, bon, ok. Je sais plus trop ce qu'il y a pas ici.
Oh. Ah bah voyez que... Il n'y a que ça. Arc runique. Ok, je sais pas sur, quoi j'avais. Comment. J'avais ma target. Ouais, c'est ça, c'est les offrandes. Quand tu veux pour faire des sorts à moi. J'ai aucun souvenir de cette zone. Ma jauge de mana remonte. On va pouvoir faire un kill. Bouclier en bois flamboyant. Thank you.
Ok. Apparemment, c'est juste un village où il n'y a rien. Ils disent quoi? Village des manques. Ok. Je vais aller voir dans les ruines d'abord. Kazoo. Flamme exaltée. Bon, ok. Une ruine dorée. L'arme de vie. Ça, c'est bien. On va pouvoir augmenter l'efficacité de nos potions. On a bien fait de faire un petit tour par ici, du coup. Ok. L'église. Je suis pas obligé de revenir ici. On va aller à la table ronde. J'ai été chercher ça. Ouais, on va aller à la table ronde. Il est 23h13, 2h40, ouais, encore 20 minutes. Et après, on fera des cours. Donc là, voilà, et le mobile est parti, parce qu'on va le retrouver ici dans son bureau. Et lui, il va nous aider un petit peu, c'est un peu lui qui va nous dire à la droite, à gauche, enfin, que je n'ai guère le temps de consacrer. Comment ça, Novice? Oh, vous trouvez cela injuste d'être traité comme un hôte de passage? Vous serez bien avisé de vous rappeler les premières paroles que vous adressera la grâce. Tenez-vous devant le cercle et devenez le seigneur d'Elden. Si ces mots revêtent la moindre importance pour vous, laissez-vous guider par la grâce, terrassez les porteurs de fragments et emparez-vous d'une ruine majeure. Accomplissez cela et les portes de la chambre intérieure de la table ronde vous seront ouvertes. Alors et alors seulement vous recevrez la sagesse des deux doigts. Ouais, voilà, donc c'est ça, il faut taper la première seigneur d'Elden pour. Enfin, donc tuer le premier boss, Margit. Pour comment avoir accès aux doigts. Du coup, on va là acheter ceci. Tac. Du coup, comme ça, on a un quatrième emplacement de sort. Ça, c'est plutôt pas mal. Le reste, on s'en tamponne le coquillard. Normalement, il n'y a pas de nouvelles choses à dire et à raconter, puisque j'ai vu personne. Voilà, là, je ne l'ai pas vu. Lui, c'est pareil. Il faut quoi pour la faire, hein? La pierre de fond. Ça sert à rien, je la garde juste pour
Ok. Du coup. Bon, on va aller se faire ici. La géode, on va aller voir. Le plus court, le plus court, le plus court. On va passer par le pont des sacrifices. J'ai pas mis de nouveau sort. On peut l'améliorer. Hein. Répartir les doses, je pense que ça va aller. Ouais. Je ne m'en peux pas. Monter de niveau, non, sort mémorisé. Aux yeux, émettre des jets de flammes exaltés d'or. Okay. Bon, pour l'instant, j'ai pas de nouveau sort en fait. Hein, donc, c'est vrai que. C'est pas utile. Il me faut combien pour encore 1000, ça ferait 5 runes. Je tape. Allez. J'avais oublié. C'est vrai qu'il nous tire dessus le con. Super. Si ça c'est pas une morcone. Bah les fusils de Mariko, tiens, peut-être qu'on a traversé du coup. J'aurais dû lui mettre un petit bolt avant de partir sur le gars qui était en haut. J'étais en train de me demander si j'avais rien oublié. Il me semble qu'on ne peut pas invoquer les mobs. Ouais. Ouais, c'est ça. Et lui vient nous filer un coup de main. Passer du temps sur le poste avec mon autre perso. Blade, le semi-loup, retourne dans son monde. Et du coup, là, on va pouvoir aller lui parler. Ah oui, juste là la sortie, tiens. Bon, nickel. Ce n'était pas une mince affaire, mais c'est terminé. Ah merde, pierre de forge sombre. Oh d'ailleurs, si tu t'aventures au nord de Raya Lucaria, le fait de faire la rencontre d'un vénérable forgeron quelque peu imposant, dis-lui que tu viens de ma part. Il te réservera ainsi un accueil des plus chaleureux. Je t'en dois une, je l'admets. Bon, trêve de bavardage, il est temps de nous séparer. Voilà.
Et donc du coup, quand on ira sur le, quand on trouvera le forgeron, ça lui donnera un nouvel item qui nous permettra de faire l'invocation des cendres de guerre à moindre coût. Voilà. Là, du coup, je vais revenir ici. Je vais récupérer mes 800 runes. Ah bah, ça va. Voilà. Je vais peut-être commencer à aller acheter du coup chez Selene quelques sortilèges. À moins que je commence à monter mes points de vie. Ouais. Il faut 23 natel. Je vais monter mes points de vie. Ah. Putain, j'ai un nez qui gratte, c'est chiant. Du coup, montée de niveau. On va passer à 15 de vigueur. Pour redescendre. Bon, on va laisser faire le petit donjon qui était là en fait. C'est quoi le cimetière abandonné? Je ne me souviens plus c'est lequel de point. Allez, ce que tu veux. Si vous fouffiez dans l'eau d'un ennemi, on vous donne un chien coquetier. Ok. Allez, j'y vois. C'est bien long. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi c'est bloqué. Allô, allô. Allô, allô, allô. J'aime pas ça. Ah ouais, ça arrive. Bon. Allez, on fait ça. On ferme la fenêtre. Touc. Et on relance. Ah tiens, d'ailleurs, tu vois, je peux pas jouer en ligne. Il me dit qu'il y a un. Bug. Je sais pas si on va voir si je vais le montrer.
qu'appuyer sur la touche. Sauf précédent, je n'avais pas quitté. T'avais qu'à pas planter, je l'aurais quitté comme il faut. Trop de balles. Tu vois, il dit activité inappropriée détectée, impossible d'utiliser les fonctionnalités en ligne. Au cimetière abandonné. Ou alors est-ce que c'est le cimetière abandonné qui crache ? C'est quand je me TP à cet endroit-là que ça merde. Je sais pas. Étonnant. Je vais me téléporter ailleurs. T'as essayé un petit peu les builds de poison saignement sur Elden Ring? Poison, ça doit être bien balèze. Enfin, ça a toujours été balèze le poison de toute façon dans les Souls-like. Ultra fort, moi ouais, je me doute. J'avais hésité. Mais bon, j'aurais. Activité brûlée, retour avec mon titre. Ok. M'efface pas mon perso. Hein. J'avoue, je me dis qu'il faut passer par les feux pour se TP. Hop. Vu qu'on ne s'embête pas, on va passer directement ici. Grotte du bas. Voilà. Ah, j'ai pas de lampe torche.
Ah, mais c'est là qu'on rencontre Pat, il me semble. Non, on en retourne à l'entrée. Ah non, c'est pas là. Se protège juste du feu, je crois, tout simplement. Plus trop ce qu'il y a par ici, enfin si toutefois il y a des choses. Non. C'est pas vrai. Et de retour en fait. Comment tu vas, Victoire? Qu'est-ce que tu racontes de beau depuis pouf, mon dieu. Au moins tout ce temps. Dis-nous. Qu'est-ce que tu deviens ? Toujours un peu d'SW de temps en temps ou pas, Mousse ? J'ai arrêté Summoner's Wars il y a à un moment, un assez long moment en fait, j'avoue. Ouais, après on va devoir aller là-bas, on va aller là aussi en bas, il y a des choses à récupérer. Ça va être trop long à décrire, disons que ça va. Et toi, comment on va depuis ces deux ou trois dernières années? Oh, ça va, comme tu sais, c'est comme tout le monde, il y a des hauts, il y a des bas. Et si on est toujours là, c'est que... C'est que ça va. En fait. Bon, il y a pas mal de monde qui a arrêté d'après ce que, enfin, d'après ce que j'ai pu voir de l'époque où on jouait. Ah oui, c'est ça, il y a... Donc, ici, on récupère tout. Il y a un petit donjon. Bon, on va regarder, tu veux dire, c'est ça. C'est ça. Voilà, le temps qu'on a passé. Trop de temps, je pense. Une mordine de ce nom vous renverra à l'arbre au monde. Soyez patient jusqu'à ce que l'heure vienne et que retentisse l'appel des racines. 1900, en fait, j'ai pas. Bon, j'ai ressorti. Et donc, ces donjons-là, ils sont marqués par des statues. Du coup, tu joues encore un peu à des jeux vidéo divers et variés, Victoire, ou t'as arrêté?
fait, ces statues-là, quand on les active, jouer un peu de LOL en duo 3 là, avec une enfant. Oh, bah, c'est cool. Gardien des portes et guide pour ceux qui retournent aux racines. Quand on se met là, on peut pas l'activer. Non, ça s'active pas. Je pensais qu'il y avait un faisceau qui nous indiquait l'entrée, en fait. Ou alors, faut juste regarder où il regarde. Et là-bas, c'est le donjon qu'on vient de trouver. Donc là, je vais aller acheter des items au marchand. Puis on ira tester ce petit donjon. Et puis après, on s'en ira coucher. À propos de Blade. Ah, vous avez rencontré Blade, n'est-ce pas formidable? J'ai bien fait de vous avoir envoyé dans cette direction. C'est un Russe qui aurait du mal à trouver son propre nez, même avec ses deux mains. Mais il a bon fond. Je pense vraiment que vous apprécierez mutuellement votre compagnie. Et puis c'est tout, je n'ai plus le temps ni l'énergie de jouer. Tu rebosses dans le privé depuis 18 mois. Ah, ok, ok. Du coup, on prend le kit pour fabriquer les objets. Vous possédez un essai en fabrication, vous pouvez. Ouais. Des pots fissurés. Bah c'est bien du coup. Ici, il faut faire gaffe parce que ces pièges landent. Voilà, juste là. C'est pas possible. Ouais, c'est ça, c'est le début du jeu, j'ai commencé le run tout à l'heure. Ben, j'avais joué à Elden Ring quand il était sorti il y a un an, j'en ai fait les... peut-être la moitié, puis après j'ai arrêté, j'ai fait autre chose. Et... comment ? Et puis j'ai pas fini, j'ai jamais fini le jeu, donc du coup, il faut trouver le mécanisme. Rien, bah je fais beaucoup de peinture de figouze. Je me suis remis pas mal à Warhammer 40 000, enfin Warhammer, Age of Sigmar, tout ça. Et du coup j'avance dans mes armées. Donc je fais beaucoup de peinture en fait. Là ça faisait plusieurs mois que j'avais pas touché le PC pour faire du jeu vidéo, je t'avoue. Hein. Et là bon bah voilà, j'avais envie, elle donnerait. Pas vu, petit enfoiré. Qu'est-ce que ça fait, ça fait
intelligence féline. Plus ça booste très fort mon intelligence. Ah oui, ça donne un plus peu d'intel. Je passe par contre en charge lourde. Qui dit charge lourde dit c'est moins bonne. Ouais. C'est bon univers car j'aime bien. Ah. Du coup, là, il y a des gars. On va se les faire tranquille au biou. Il y en avait peut-être d'autres ici, je pense, non ? Il y en a pas d'autres. Oh, ouais. Papillon flamboyant, je ne sais plus ce qui ça fait ça. Terre, compo de craft ou. Bisous, toi aussi, fais attention. Bah écoute, repasse quand tu veux, de toute façon je pense que je vais restreamer un petit peu plus là, en ce moment. Donc, à la prochaine. Plus, cendre des nobles errants. Ouais, ça c'est pour faire un pack de mobs. C'est pas un fifou. Hop, comme ça.
Oh putain, je l'avais pas vu. Qu'est-ce qu'il me reste? Une fiole de soins et... On va les régénérer tout ça. Déjà bien rentabiliser nos trois premières heures. Ils sont chiants ces mobs. On va hop. Quoique non. Finir d'aller acheter les deux trois trucs au marchand. Une fiole de ce miraculeux demeure en la troisième église de Marika au nord. Ah oui, ouais, c'est elle est derrière le château. Traversez le pont qu'emprunte la chaussée, puis suivez les traces d'animaux vers le nord. Ouais, c'est vrai. C'est quoi ça? Ah non, ça c'est les. On a ce combien? 128. Bon, j'essayais de titiller avant de déco le...
lui, là. Voir un peu ce que ça donne. Arbres là en plein milieu, c'est bien chiant. Où suis-je mort? Moi, j'ai même pas vu qu'il y a un truc ici. Bon, allez. Bon, bah, du coup, on va arrêter là. J'ai fait tout ce que je voulais faire là, pour cette session. J'ai récupéré les items que je voulais. J'ai rien oublié. Ah, j'ai pas fait le Rona. Ah, c'est vrai. Ça c'est fait, voilà, voilà. Non, bah c'est bien. Du coup, bah allez, on va arrêter là pour ce soir. On aura déjà pas mal avancé. Donc, du coup, bah, je pense que je reviendrai cette semaine, certainement mercredi. Ouais, pas demain, je pense pas. Mais mercredi, ça me paraît bien. On verra, soit demain, soit mercredi. Voilà. Bon, bah, du coup, pour ceux qui sont encore sur le live, merci d'avoir été là. Et puis bah passez une bonne nuit, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, soit demain soit mercredi. Bonne nuit, ciao ciao, des bisous.